France Bleu Matin. 7h49. Coup de fil ce matin à Amaury Vassili. Bonjour Amaury. Bonjour. On est très heureux de vous avoir, un artiste que l'on aime sur France Bleu. On vous l'a prouvé, hein, Amaury. Ah oui, en effet. Ce soir, vous serez dans Un air de star sur M6. Vous allez vous transformer en qui ce soir ? En Johnny Hallyday. J'ai eu la chance d'entendre hier un peu par téléphone les coulisses. Ça m'a donné, hein ? Ah ben c'est fort. C'est clair que là, faire Johnny, c'est le mythe, quoi. Donc faut pas se planter, quoi. Alors ce soir sur M6, vous serez en face aussi de notre Lorrain chéri, Jérôme Anthony. Exactement, avec qui je passe plutôt de bons moments, parce qu'on est une très bonne équipe et on s'amuse vraiment beaucoup, donc c'est une belle aventure humaine en tout cas. Alors vous, Amaury Vassili, vous êtes quand même quelqu'un d'assez exigeant, et alors participer à un air de star, forcément, c'était pour relever un challenge. Ah bah oui, puis bon, j'aime bien me mettre dans des plans qui risquent d'être compliqués, c'est-à-dire j'ai fait l'Eurovision, donc une fois qu'on a fait l'Eurovision, je pense qu'on a fait... on a fait le pire, donc je me dis que maintenant un air de star, ça ne pouvait être que bien, et puis en plus le concept me plaisait, puisque faut savoir quand même qu'en fait nous en tant que chanteurs, on nous a toujours demandé de ne pas imiter d'autres artistes, donc là finalement on nous demande tout le contraire, et puis bon bah c'est très rigolo d'avoir à se pencher dans la personnalité d'un artiste qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas d'ailleurs. Ça peut être aussi un challenge de se glisser dans la peau de quelqu'un qui correspond pas du tout à la personne qu'on est dans la vie, quoi. Alors tout jeune, on regardait ça avec l'équipe de France Bleu Matin et on regardait les chiffres et surtout Una Parte di Me, votre dernier disque. Mais qu'est-ce qu'il a cartonné celui-là aussi ? Ben ça se passe plutôt bien. Ouais, je suis assez chanceux de ce côté-là. Les albums se vendent bien, donc j'espère que mon public sera encore plus nombreux à la fin de cette saison d'Un air de star. Vous l'expliquez comment votre succès ? Parce que vous êtes entre le chant lyrique et la chanson populaire. Comment vous faites pour concilier les deux ? Disons que j'essaye de mixer ces deux genres. Bon, c'est pas évident parce que les gens n'ont pas forcément la volonté de s'intéresser à la musique classique, le grand public que je parle. Et donc moi, mon but, c'est vraiment d'essayer de développer l'accessibilité à cette musique et surtout la rendre moins cérémonieuse, c'est-à-dire qu'elle puisse être jouée dans beaucoup plus de conditions différentes, tout simplement. Mmh. Et faire en sorte aussi, pourquoi pas, mais ça c'est un défi qui est nettement plus dur, pourquoi pas essayer d'intéresser quelques jeunes aussi et de les amener vers ce registre-là. On vous entend très peu chanter en français, du coup. Ah ben là, forcément, dans mes albums, on m'entend très peu en français, c'est vrai. Mais c'est pour ça aussi que j'ai fait un air de star, parce que ça m'a donné l'opportunité de chanter d'autres chansons en français, de me jeter dans la peau d'autres personnages, donc c'est un peu un melting pot des challenges, quoi. Et puis en plus, on vous voit, j'ai envie de dire, bouger, on vous voit autrement, on vous voit un peu comédien, pour le coup. Exactement, c'est une autre partie de moi-même et c'est bien, ça me permet d'évoluer et de donner encore un petit peu autre chose à mon public que j'ai déjà la chance, qui me suit, quoi, donner à mon public un petit peu plus que ce qu'ils ont l'habitude de voir du Amaury Vassili habituel. Amaury Vassili, il y a des projets qui trottent dans votre tête déjà ? Alors, il y a le quatrième album qui est déjà en préparation, puisque moi j'ai la volonté de vraiment marquer de mon empreinte mon passage, donc faut vraiment que j'arrive à faire de la bonne musique. Et donc, je dirais qu'un air de star, c'est le côté divertissement de l'année. Et puis, le quatrième album en fin de l'année, là, ça va être le stress et le et le choix de chansons qui vont être déterminants pour la suite. Et France Bleu sera toujours derrière vous, hein, Amaury, hein, pas de souci. Ah mais j'en doute pas, j'espère bien. Depuis le début, donc forcément, moi, je suis très fidèle à ça. Vous faites partie de nos chouchous, Amaury Vassili. Donc on vous retrouve ce soir sur M6 dans Un air de star en Johnny Hallyday avec Jérôme Anthony, notre Lorrain. D'ailleurs, vous comme Jérôme Anthony, eh bien on pourra vous voir également à la Foire Internationale de Nancy samedi du côté des studios de France Bleu là-bas à la Foire Internationale. Ah bah génial, je savais pas que Jérôme venait, mais c'est entre parfait. 16 et 19. Ah bon, on est une grande famille à France Bleu, hein, tout le monde. Ah bah exactement, pas de souci. Et bien sûr, vous auditeurs, vous pouvez venir approcher Amaury Vassili. Il
lui parler. Il sera là pour ça. Merci Amaury, et puis bon courage pour ce soir. Merci à vous.